pas vraiment ce que ça va donner. Il y a, bon, faut le temps de dépouiller un peu les réponses d'hier et on a fait un sondage. Et on attend de voir ce que ça va donner. Et qu'est-ce qui se dégageait? C'est partagé. Il y a des gens qui veulent aller plus loin, plus fort. Et puis il y a ceux qui veulent rester, je dirais, d'une certaine manière, calme et montrer la présence sur les sites. Les revendications principales, c'est quoi? C'est le pouvoir d'achat dans toute sa globalité. Il y a une chose qui a été dite hier, c'est qu'on cherche à faire. On va essayer de mettre en place une consultation pour faire modifier la Constitution. Il y a un article qui dit que si on arrive à avoir un cinquième des signatures du Parlement et c'est 4 millions d'électeurs, on peut faire changer la Constitution et amener autre chose. Et ce qu'on aimerait bien amener, nous, c'est mettre des gens dans les commissions d'assemblée au moment où les lois se construisent. Et mettre des gens responsables dans le sens où si on traite d'un problème de santé, qu'il y ait des infirmières, des aides-soignantes, des médecins, des pharmaciens, selon le cas, qu'il y ait des gens qui soient compétents, qui puissent parler de la situation. Et que ce ne soit pas des gens qui sortent de l'ENA qui disent tiens, on va faire comme ça parce que ça nous semble bien. Donc ce qu'on aimerait bien, c'est mettre des gens de la vie civile, mais des gens qui connaissent vraiment la vie, quoi. Alors bon, pour ça, il faut arriver à modifier la Constitution. Et... bon, il y a un article qui existe et c'est possible. Hein. Si on prend l'extrême gauche et l'extrême droite, on arrivera à les avoir. Et ouais, c'est la popularité. Ouais. Après, à partir de ce moment-là, il faut qu'on réunisse les signatures des électeurs, ce qui nous permettra de mettre en place ça enclenche un système qui met le vote des électeurs, la pétition des électeurs, sur un site internet complètement indépendant. Et une fois que il y a le cinquième du Parlement plus les électeurs qui ont voté, on peut accéder à la modification de constitution. À l'heure actuelle, c'est un mécontentement général par rapport à la politique de Macron. Et moi, je suis ici, c'est par rapport aux retraités et aussi aux jeunes à venir, à mes enfants, mes petits-enfants qui n'ont pas la vie facile. Voilà. Et par contre, on a bien conscience qu'en restant au rond-point, on ne va pas faire avancer les choses. Donc pour que ça avance, il faut faire des situations de blocage ou d'auto-opération coup de poing. Parce qu'on reste ici, certains disaient ce matin, on a l'impression d'être des singes à qui on donne des bonbons, voilà. On a le soutien de la population quand même, surtout au niveau pour tenir, pour manger. Voilà. Il y a aussi quelques dissonances entre nous, parce qu'au bout de 14 jours, on a du mal à supporter. C'est un peu comme à l'armée. Voilà. Ça peut être aussi des laisser passer les gens gratuitement au péage, aller aussi manifester en ville comme à Sens, ou rejoindre la manifestation à Fontainebleau, faire des opérations escargot aussi. Voilà. Je pensais envahir les voies, mais bon, en tant qu'ancien cheminot, non. Mais voilà, il y en a bien qui envahissent les routes, pourquoi on n'envahirait pas les voies? Ferré, voilà.
discuter ici. Venir discuter, donner leur opinion, leur avis. C'est le but. Voilà, c'est surtout, c'est que ça reste convivial et puis ça permet aux gens de venir discuter s'ils ont envie de discuter. C'est ce qu'il faut de non, toute manière. Non, on se maintient comme ça, nous. Bah oui. Ouais. C'est très bien. On leur donne des bonbons. C'est ça. Attends, ou des cafés. Des sourires, des klaxons, c'est parfait. Et là, on va essayer de sauver notre veau. Ouais. On essaye de sauver un veau, là. Ouais. Ah oui, vous essayez de sauver quoi? Un veau. Ah oui, j'ai vu. On essaye de le sauver parce qu'ils veulent le piquer, on n'est pas d'accord. Il a rien demandé, la bête. Mais c'est un veau qui est où actuellement? Eh ben, ça, on peut pas vous le dire. On est un peu comme les Corses, nous. Non, mais. Parce que mardi, ils veulent nous le zigouiller, alors on va pas vous le dire. C'est vous qui l'avez? Ah oui. Non, c'est de. Non. C'est la modèle qui l'a. Non, il. Adore avec, c'est son doudou. Non, il est pas fini. Mais qui c'est qui veut le zigouiller? Le service de l'État. Service éthérien, mais pourquoi? Parce qu'il est malade? Parce qu'il n'est pas déclaré. Donc on est en train de faire le nécessaire. Ouais, pour faire la vaccination, ouais. La bague et tout ça là. Ah d'accord, il n'est pas déclaré le veau, c'est ça? D'accord. J'ai peut-être un veau, le micro. Non, c'est parce qu'il a été récupéré par un matériel. Il a été abandonné et en fait, ils ont pu le récupérer. On va le baptiser, hein, ça sera le gilet jaune, on va l'appeler. C'est ça, on va l'appeler gilet jaune. On va faire un gilet assez dur. Ouais. Non, mais le veau, il n'a rien demandé. Oui, il n'a rien demandé. Donner à ce mouvement, c'est qu'il faut taper les points forts, c'est sûr, comme on dit depuis le début. Maintenant, je pense qu'il y a deux catégories. Entre ceux qui peuvent avoir les moyens de se déplacer sur les gros points de blocage, comme le fret aérien, que ce soit le fret maritime ou tout ça, où il faut vraiment taper en action coup de poing. Et entre ceux qui doivent être là, en train de continuer à se montrer, en disant... que nous sommes toujours là, que si vous avez des questions, on est là pour y répondre. C'est une manière de montrer qu'on est tous solidaires, qu'on est tous unis. Vous ne pensez pas que le fait que l'essence se mette à baisser brutalement par une opération des supermarchés, ça met un petit peu à mal le premier motif qui était le coût du carburant? Qu'apparemment le gouvernement va peut-être jouer là-dessus en disant on a répondu à votre souhait. C'est comme ils arrivent, ils ont du mal à comprendre, c'est que le carburant, ça a vraiment été la goutte d'eau. C'est ce qui a fait, qui a déclenché tout, parce qu'on a trop pris sur nous, on a trop dit, en gros, amen. Et que, au bout d'un moment, c'est que si on n'a pas moyen de se déplacer, on ne peut pas aller travailler, on ne peut pas aller faire nos courses, on ne peut pas tout ça. Donc c'est vraiment le point le plus important, on va dire. Mais le français, on a eu marre de tout. En fait. Et maintenant... De faire baisser le carburant, oui, c'est une petite victoire, on va dire, mais maintenant, elle est pas suffisante, parce que je pense que le gouvernement a trop joué depuis des années, alors qu'il y a déjà eu des appels du peuple depuis plusieurs années et qui n'ont pas su répondre correctement. Donc, mais qu'est-ce que vous souhaitez alors, en dehors du prix du carburant qui est tombé pour des raisons un peu fallacieuses, parce que c'est le pétrole brut qui a baissé, plus d'une opération publicitaire des supermarchés? Si, moi je ne peux pas répondre, parce que si je devais répondre, j'écrirais un livre. 8000 francs par mois, oui, c'est sûr qu'on s'en sort. J'ai pas vraiment, moi, connu les salaires, on va dire. 1200 euros. Ouais. J'ai pas. Alors c'est vrai que moi, parce que moi j'ai que 28 ans, donc à passage de l'euro, j'avais à peine 10 ans. Oui. Et donc c'est vrai que je me rends pas compte forcément du salaire, mais je sais qu'en étant jeune, je sais que malgré les petits salaires, je me rappelle pas avoir eu du mal autant à vivre qu'aujourd'hui. Pourtant, oui, si on convertit, oui, pourtant on devrait s'en sortir, on va dire, à peu près pareil. Mais avec toute l'augmentation de tout en général, c'est pas possible. On juge que l'euro, par rapport au franc, a fait perdre aux gens 40% de pouvoir d'achat, puisqu'on considère qu'un euro à 6,50€, ça vaut 10 francs de l'époque. Ouais. Voilà, 50. Moi, je repars toujours sur un exemple concret.
Étant enfant, avec un franc, on avait un sachet énorme rempli de bonbons. Avec un euro, on a 4 bonbons maintenant. Faire comme il veut. Moi, la seule chose qui me fait peur, c'est vraiment la sécurité. D'avoir sur la conscience un accident ou une mort certaine, je me vois mal expliquer pourquoi à la famille pourquoi cette personne est décédée. Après que je respecte chaque opinion, chaque idée, chacun a envie d'agir d'une façon différente et c'est honorable, hein, je respecte tout à fait. Mais moi, la seule chose qui m'importe, c'est la sécurité. Et comme je dis, c'est pour ça que des fois, quand on ne comprend pas, j'ai un peu du mal à encaisser. Parce que c'est vrai que moi, de me dire demain, par exemple, il y a quelqu'un qui est parti à l'hôpital, c'est pas. Non, c'est pas le jeu, c'est pas le but. On se bat pour vivre et on se bat pas pour tuer quelqu'un après. Merci, on passe à tous pour nous, hein.